Merci Bénédicte, merci de m'avoir invité. Donc, j'espère que vous avez apprécié le cycle qu'on vous a proposé. Vous savez que cette année, c'est l'année de la lumière, donc c'est pour ça que je viens vous parler des noirceurs de l'univers. Et en fait, l'idée sous-jacente, c'est qu'il y a intrication entre le sombre et le clair. Il n'y a pas de lumière sans obscurité et vice-versa. Et cette notion d'intrication, je vais la décliner, bien sûr, en ce qui concerne l'univers, mais on la retrouve dans bien d'autres domaines, y compris dans le domaine de l'art. Et c'est pour ça que je vous parlerai de Pierre Soulages et de ce qu'il inspire pour les physiciens. Parce que les physiciens sont passionnés, enfin intéressés, certains, hein, pas tous, par cet art-là, et j'essaierai de vous dégager pourquoi. Et alors, en ce qui concerne d'ailleurs le noir, c'est vrai que la fascination de l'esprit humain n'est pas tout à fait un hasard. On sait que le noir, c'est une absence, hein, mais une absence qui n'est pas n'importe quelle absence, parce que c'est une absence qui exalte la lumière. Et bien sûr, pour cette raison, entre autres, cette absence ne saurait épargner l'imaginaire scientifique. Alors, il y a d'ailleurs pas mal d'expressions qui sont liées à des problèmes scientifiques, la plupart du temps énigmatiques, comme par exemple, qui évoquent le noir, comme par exemple le rayonnement du corps noir. Je sais pas si, voilà, je sais que ça m'a fait beaucoup rêver. Et j'étais perplexe quand j'étais étudiant, j'entendais parler du rayonnement du corps noir. La lumière noire, qui est un simple rayonnement ultraviolet, mais quand même, c'est un terme utilisé, c'est un oxymore en soi, lumière noire. L'ève africaine, qui serait, selon les biologistes, notre mère à tous, les éclipses. Et puis, comme je vais l'évoquer ce soir, donc la matière noire, les trous noirs, l'énergie noire. Et bien sûr, je vais commencer d'abord par l'énigme du noir de la nuit. Voilà. Mais bon, pour finir avec ce noir, ben finalement, on est assez proche de nos ancêtres alchimistes, qui eux aussi attachaient énormément d'importance, comme vous le savez, à l'œuvre noire. Et c'est peut-être pour une raison pour laquelle nous ne devons pas nous étonner que la science contemporaine engendre des idées noires. Voilà. Alors, j'en reviens donc à mon propos. Nous allons commencer par la nuit noire. Alors le soleil se couche, la nuit vient, hein, vous me suivez, la nuit est noire. Surtout s'il n'y a pas de lune, la nuit est particulièrement noire. Et en quelques endroits, donc, tout de même, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein, la Voie lactée, évidemment, c'est un endroit qui a déjà interrogé, qui a interrogé depuis longtemps, beaucoup de légendes et de croyances liées à la Voie lactée. Mais partout ailleurs, là par exemple, elle est profondément noire. Là, c'est un espace de ciel d'été entre Deneb et Altaïr, qui sont deux étoiles très brillantes. Il y a la troisième, Vega, qui est pratiquement au-dessus de nos têtes, sous nos latitudes, qu'on appelle les trois belles de l'été. Alors, ce qui est remarquable là, c'est que personne ne s'étonne que la nuit soit noire. Et c'est comme une évidence presque pour tout le monde. On peut vivre toute sa vie sans s'en étonner, et puis c'est très bien comme ça. Mais très souvent, vous savez, les évidences sont trompeuses. L'évidence a tendance à nous endormir. On pourrait citer des évidences comme ça qui recèlent des connaissances et des signes qu'il faut savoir déchiffrer. Ne serait-ce que les petits galets qu'on trouve dans les ruisseaux, par exemple, ça nous dit énormément de choses, en particulier sur l'âge de la Terre. Bon, et pourtant, d'autres continuaient à penser, à écrire dans les almanachs que l'univers, enfin que le monde avait été créé il y a 6 000 ans. Eh bien, c'est vrai que derrière cette évidence-là se cache une profonde énigme. Que le soleil se soit couché, c'est une condition nécessaire, mais est-ce suffisante? Est-elle suffisante? Non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, et c'est pour ça que ça a interrogé beaucoup les scientifiques pendant quelques siècles. Alors on peut donner une explication burlesque. J'avais trouvé que Jean-Marc Lévy-Leblanc a repris aussi, parce que lui aussi il a une conférence sur les nuits noires, il a découpé ma BD, alors je lui ai repris cette idée. Alors, vous voyez, c'est un ours qui parle à un petit lapin et qui lui dit, mais pourquoi la nuit est noire? C'est simple, dit l'ours. Un soleil. Une ombre, c'est clair. C'est pas... Après, il continue, il dit deux soleils, il a mis un lampadaire, deux ombres, jusque-là ça va, et il termine en disant la nuit des milliers de soleils, donc il fait nuit. Voilà, ça paraît normal. Bon, je ne sais pas si vous êtes satisfait par cette explication.
Si vous l'êtes, bon, on peut parler d'autre chose. Si vous n'êtes pas, je continue. Alors, je continue. Alors, en réalité, c'est vrai qu'on est face à un paradoxe. Et pour aller plus avant dans ce paradoxe, je vais vous revenir, enfin contextualiser le problème en remontant un peu dans l'histoire, en particulier au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, comment voit-on le monde ? Le problème ne se pose pas, parce qu'on voit un monde clos, très fermé, le monde chrétien. Au centre, le soleil, ensuite, au centre, la Terre, pardon. Ensuite, vous avez toute la série de la Terre, les planètes, et puis au bout, au fond, vous avez le firmament, qui est vécu d'une manière différente selon les cultures, mais pratiquement tout le monde imagine, toutes les cultures imaginent ce firmament comme contenant des étoiles en faible épaisseur. Kepler lui-même pensait que ce n'était pas très épais. Donc on imagine qu'au-delà, mais qu'est-ce que l'on a au-delà de cette sphère ? Soit le feu de la création, auquel cas les étoiles ne sont que des petits trous dans cette voûte et on voit le feu de la création, soit c'est le néant, mais en même temps le tout et le rien, enfin on joue sur l'ambiguïté, c'est le divin. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas de raison de trouver un paradoxe. La nuit est noire parce qu'on voit des petits points, c'est tout. C'est une très fine couche. Et donc, on perçoit le ciel comme une petite forêt. Hein, quand vous êtes dans une forêt pas très épaisse, eh bien, vous voyez la lisière pas très loin. Vous savez que vous allez pouvoir sortir, donc il n'y a pas de problème. Donc, on peut imaginer par analogie la Voie lactée de cette manière-là. Un des premiers, parce que les Grecs déjà l'avaient fait, mais après, à la sortie du Moyen-Âge, durant la Renaissance, le premier à vraiment bousculer cette idée, c'est, vous le savez sans doute, Giordano Bruno, qui écrit ce fameux livre de l'infini de l'univers et des mondes. Non seulement il postule la notion d'un univers infini, mais il imagine aussi que dans ces conditions-là, nous n'avons aucune raison d'être seuls. Les seuls êtres vivants dans l'univers, il y a sûrement d'autres êtres ailleurs. Alors, toutes ces idées audacieuses, c'est vrai, magnifiques, mais heurtent de plein fouet, évidemment, le monde chrétien, les Écritures, et pour cette raison, bien, il finit brûlé sur un bûcher, et ça aura des conséquences, d'ailleurs, sur la pensée des autres scientifiques qui regarderont à deux fois avant de publier leurs résultats. Ça a été le cas de Galilée, ça a été le cas de Copernic en particulier. Mais enfin, cette idée fait son chemin. L'univers est infini. Et il fait tellement son chemin qu'il faut attendre quand même un moment où vraiment ça va devenir décisif, on ne va pas pouvoir se passer de cette idée-là. Et c'est lorsque Newton élabore sa théorie, cette fameuse théorie de la gravitation. Là, c'est une vraie révolution. Parce qu'avec une seule et même théorie, il relie des phénomènes complètement disparates, comme les marées, la pomme qui tombe, le mouvement des planètes, le mouvement de la Lune, et aussi l'aplatissement de la Terre au pôle. C'est rare qu'une théorie soit aussi unificatrice, aussi belle, une simple théorie comme ça, ça rend compte de phénomènes aussi, en apparence aussi divers et variés. Mais la conséquence d'une théorie de ce genre, c'est qu'il faut un univers infini. Il s'en rend compte. Et il n'y a pas tellement d'évidence, autre que celle-là, induite par la théorie, que l'univers est infini. Donc, ça lui cause quand même quelques problèmes. Mais il finit par l'admettre et par l'accepter. Il a d'ailleurs un débat très intéressant avec Leibniz à ce sujet. Et il est relayé par Edmund Halley, astronome anglais, le fameux découvreur, celui qui a observé la comète et qui a calculé à l'aide des lois de Newton qu'elle allait revenir à un moment précis quelques années plus tard, même s'il n'a pas eu l'occasion lui-même de la revoir. Ça a été un événement tellement fort que la comète a été donc baptisée du nom de Halley, l'inventeur, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que dit Halley ? Il dit quelque chose de magnifique. Il dit, si le système entier était fini, je l'ai écrit, je peux vous le montrer, si le système entier était fini, par système entier pensé univers, il serait de toutes parts entouré d'un néant infini, et les étoiles extérieures, celles qui sont les plus éloignées, chuteraient, mais elles ne sont pas contrebalancées par d'autres plus loin, donc les étoiles extérieures chuteraient vers celles proches du centre, et au cours du temps, fusionneraient pour former une seule et même étoile. Voilà le souci de certains scientifiques de l'époque,
Et c'est pour ça qu'ils n'ont besoin d'un univers infini, parce que dans ce cas, il n'y a aucun centre privilégié, et les étoiles ne sont attirées par rien de précis, aucune direction privilégiée. Et là, on voit bien où est le paradoxe. Donc c'est là que le paradoxe est introduit, et c'est, ils sont deux. Il y a Chézeau, astronome français, qui est assez jeune, qui en parle très bien, mais vous savez, c'est compliqué, les réseaux avec lesquels on est, avec qui on discute, comment on consigne ses résultats, ses pensées, font que une idée peut être connue ou pas connue. L'histoire a reconnu Olbers, qui dit les choses de manière suivante. D'abord, il est tout à fait convaincu, et ça c'est intéressant, il est tout à fait convaincu que l'univers est infini. Sinon, il n'aurait pas soulevé le paradoxe. Alors pourquoi il est convaincu? Ce n'est pas du tout pour les raisons de Newton. Enfin, je pense que c'est en partie pour les raisons de Newton, mais il en a une autre. Il dit, l'espace n'est-il pas infini? Est-il concevable que toute la puissance du Créateur ait abandonné au vide cet espace interminable? Je trouve ça magnifique, parce que là, on voit toujours que, eh bien, finalement, on a tendance à diviser le monde en deux, ceux qui croient, ceux qui n'y croient pas, mais on peut avoir dans la même personne un peu les deux idées qui se cohabitent. Cette idée s'impose à la fois scientifiquement et religieusement. Et donc lui aussi postule un paradoxe qu'il formule de cette façon-là. Il dit, s'il existe réellement des soleils disséminés dans la totalité de l'espace infini, et s'ils sont situés à des distances égales les uns des autres, pas besoin de faire cette hypothèse, mais mettons. Leur nombre doit être infini, car la voûte du ciel... Leur nombre doit être infini, bien sûr, puisqu'on est dans un univers infini. Et la voûte du ciel apparaître aussi brillante que le soleil. Car, dit-il, ça c'est l'argument de la ligne de visée, toute droite que nous pouvons imaginer partant de notre œil aboutira nécessairement sur une étoile fixe, et une lumière stellaire qui est de même nature que celle du soleil nous parviendrait ainsi de tout point du ciel. Voilà l'argument... Le fameux argument connu sous le nom de Olbers, paradoxe de Olbers. Voilà, c'est donc lui. Et il y a eu ce paradoxe, évidemment, a beaucoup troublé les gens. Et du coup, pour reprendre l'histoire de la forêt, eh bien, effectivement, ça permet bien de comprendre ce qui se passe. Lorsque vous êtes dans une forêt, vous voyez très bien les troncs très proches de vous. Vous les voyez bien séparés, vous voyez entre ces troncs, mais on imagine qu'au bout d'un moment, eh bien, quel que soit l'endroit où on regarde, boum, on tombe, notre regard tombe sur un tronc. Voilà. Donc on ne verra pas la sortie. Il y a un moment où il n'y en a pas. Il y a un moment où il y a un mur. Alors on peut calculer, mais je vous épargne ça, mais ce sont des calculs qui ont été faits par pas mal de gens, dont Olbers, dont Chézeau, dont Kelvin aussi. On peut calculer ce qu'on appelle la profondeur possible, la limite, ce qu'on appelle la limite de visibilité ou d'invisibilité. Là, dans le cas d'une forêt, il suffit de connaître la distance moyenne entre les arbres et l'épaisseur de chaque tronc, le diamètre de chaque tronc. On voit très bien, ça vous permet de dire, bon, on peut regarder 50 mètres, 100 mètres, ou voilà. On peut faire la même chose, exactement la même chose avec le ciel. Et il y avait des réponses déjà qui étaient apportées. Certains disaient, bah, c'est... non. Dans le cas de la forêt infinie, de toute façon, l'idée était celle-là. Ça se passe peut-être très loin, mais il y a un moment où, de toute façon, on a ce mur. Alors, on a essayé de sortir de ce paradoxe. Comment? Il y a eu plein de solutions qui ont été recherchées. Retour à un univers fini, mais bon, il y avait des arguments contre. L'absorption. Les gens se sont dit, mais il y a peut-être de la poussière, il en faut peu, mais il y a de la poussière. On voit dans la Voie lactée des zones un peu sombres, donc on a postulé cette idée de poussière. Cette idée a très vite été battue en brèche parce que la poussière absorbe de l'énergie, absorberait l'énergie de la lumière et donc rayonnerait cette énergie sous une autre forme. Et on peut calculer qu'on serait très vite dans une fournaise, qui ne serait pas de la lumière visible, mais la température serait extrêmement chaude. Donc on n'a pas trouvé de solution très simple. Alors, ce qui est merveilleux là-dedans, et c'est pour ça que je dédie cette conférence à tous ceux qui ne font pas de la science mais qui s'y intéressent, c'est que la solution a été trouvée par Edgar Poe, voilà, qui n'est pas un scientifique, mais qui est aussi un scientifique. Une intuition très poétique dans un ouvrage qui s'appelle Eureka, qu'il a publié en 1848. Alors vous voyez le temps qui s'écoule quand même entre le moment où j'ai parlé de Olbers, de Newton, hein,
Et là, il y a presque 2 siècles. Sauf qu'entre-temps, on avait des éléments nouveaux. La vitesse de la lumière, ça date quand même de 1676, 300 000 km par seconde. Et une deuxième notion qui est que l'univers, les étoiles n'ont pas toujours existé. Ça, c'est une idée déjà religieuse, hein, bien sûr, pour beaucoup. Mais quand même, cette idée s'impose parce qu'on voit des supernovas, on se rend compte qu'il peut y avoir évolution, que les étoiles, même si on n'a pas tout le schéma d'évolution des étoiles, on a de bonnes raisons de penser que les étoiles n'ont pas toujours existé, qu'elles naissent, qu'elles évoluent et qu'elles disparaissent. Alors ces deux idées-là, qui étaient là dans l'air, n'ont pas été vraiment exploitées jusqu'au bout, en particulier celle de la vitesse de la lumière. Personne ne va au bout de ses conséquences, sauf Edgar Poe. Alors, je vous le dis, en 1848, un an avant sa mort, parce qu'il est mort très très jeune, il fait une conférence et il dit, voilà, puisque les étoiles ne sont pas éternelles, dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions est de supposer cet arrière-plan, les régions noires, placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon lumineux en provenant n'ait pu encore en parvenir jusqu'à nous. Voilà, donc ce qu'il dit, ce qu'il sous-tend par cette phrase, cette phrase qui figure telle quelle dans son ouvrage, c'est que la partie observable de l'univers ne s'étend pas au-delà de la distance parcourue par la lumière depuis le commencement de l'univers. Autrement dit, si l'univers est infini spatialement, il est fini temporellement. Deux notions différentes. En gros, on peut imaginer par la pensée ce qui va se passer avec ce que l'on sait de la lumière. La lumière met 1 seconde pour venir de la Lune, puisque se déplace à 300 000 km par seconde. La Lune est à peu près à cette distance-là, pour aller vite. Le Soleil, lui, est à 150 millions de kilomètres, donc ça prend quand même du temps pour la lumière, ça lui prend 8 minutes. Ce sont des notions que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais je les prends là exprès en otage pour vous expliquer ce concept de cette intuition d'Edgar Poe. Donc il faut 8 minutes pour que la lumière. Donc, autrement dit, quand vous regardez le Soleil, c'est une image vieille de 8 minutes. Donc imaginez que le Soleil se mette à briller. Toutes les étoiles du monde, y compris le Soleil, ça commence aujourd'hui, maintenant, à l'instant même. Eh bien là, nous sommes dans la pièce, nous avons de la lumière, mais dehors, ce serait l'obscurité totale. Il faudrait attendre 8 minutes pour avoir de la lumière et pour voir quoi? Notre horizon serait le Soleil. On ne verrait rien au-delà. Et il faudrait attendre 4 ans pour voir la deuxième étoile, parce que la deuxième étoile, c'est Proxima du Centaure, elle est, elle, située à 4 années-lumière, c'est-à-dire qu'il faut 4 années pour que la lumière vienne jusqu'à nous. Donc on aurait un horizon limité à 4 années-lumière, c'est-à-dire 40 000 milliards de kilomètres. On ne verrait pas au-delà, même si l'univers est infini. Et je peux continuer. Bon, très vite, évidemment, on verrait de plus en plus d'étoiles, mais pas tant que ça. Il faudra attendre très longtemps, même pour voir la Voie lactée se dessiner. Il faudra attendre quelques milliers d'années. D'une vie humaine ne permettrait pas de voir le début du commencement de la Voie lactée. On ne verrait jamais les nuages de Magellan. On ne verrait pas grand-chose. Hein. Donc nous sommes dans un univers qui est comme ça. Hein, évidemment, on voit ce ciel instantané. On voit toutes les étoiles en même temps, mais sachez que la lumière met des temps différents pour arriver d'une étoile à l'autre. Comme lorsque vous rentrez de vacances, vous ouvrez votre boîte aux lettres, toutes les lettres tombent d'un seul coup, même si certaines sont arrivées il y a 2 jours, d'autres il y a 8 jours, d'autres il y a 1 mois, et certaines ne sont pas arrivées parce que, non pas parce qu'elles n'ont pas été écrites, mais parce que le facteur n'est pas passé. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre par ce qu'explique très très bien donc Edgar Poe. Alors maintenant, le formalise d'une manière un petit peu plus technique. Imaginez que vous êtes au centre de cette bulle. On peut imaginer que nous sommes dans l'univers au centre d'une sphère. La sphère bleu foncé représente l'univers, cet univers qui nous est accessible par le regard, parce qu'au bord de la sphère, eh bien, la lumière a réussi à arriver jusqu'à nous depuis le commencement. Ce commencement, Edgar Poe ne le connaissait pas, mais il supposait que c'était les étoiles qui marquaient le commencement.
Nous, on sait aujourd'hui que c'est le Big Bang, ça revient au même. Le Big Bang a commencé il y a 14 milliards d'années. Eh bien, l'horizon, là, ce qu'on voit, horizon cosmique, qui est ici, là, sous ma flèche, eh bien, c'est de là à là, il a fallu 14 milliards d'années pour que la lumière arrive. Et on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment. Mais on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans cette zone-là, et même au-delà, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que ce n'est pas, ça appartient en tout cas à un passé où ces objets n'étaient pas là, par rapport à nous. Mais s'il y a des choses, s'il y a des astres qui existent, eh bien, on attend. On ne les verra pas. Voilà. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, hein, au-delà de l'univers visible, une lumière provient d'étoiles qui sont soit trop loin dans l'espace, et donc qui n'est pas arrivée, ou alors correspond à un passé où ces étoiles n'existaient pas. Alors, c'est très beau parce qu'on voit bien que la vitesse de la lumière rencontre l'âge des étoiles. C'était ça la solution et qu'on n'en voit qu'une partie. Mais on peut quand même se poser la question, dans cet univers-là, qui est dessiné par en bleu foncé, il y a ou il n'y a pas assez d'étoiles pour recouvrir le ciel? Parce que finalement, c'est ce que l'on voit. On pourrait imaginer qu'il y a suffisamment d'étoiles. C'est curieux qu'il n'y en ait pas assez. Alors on peut faire des petits calculs, on se rend très bien compte. Déjà, ça a été fait déjà même avant qu'on connaisse l'histoire du Big Bang. Il faudrait attendre beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'univers soit beaucoup plus âgé. Il faudrait un volume des millions de fois plus grand que celui-là pour qu'on finisse par avoir suffisamment d'étoiles. Et en fait, on a fait ce travail d'une certaine façon. Grâce au télescope Hubble, on a obtenu cette image, par exemple. Cette image est une des images les plus profondes que l'on puisse obtenir aujourd'hui du ciel visible. Je me contente de vous parler du visible, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Je ne vous parle pas d'infrarouge, ni d'ultraviolet, ni d'autres domaines de longueur onde. Et bien, dans le domaine relativement visible, encore que là, on est assez dans le rouge, eh bien, on voit ici pas mal de choses. Bien sûr, on en voit 3000, à peu près 3000 astres, des étoiles, surtout des galaxies, d'autres voies lactées situées à des très très grandes distances. En tout cas, là, vous observez quelque chose qui s'est... La plupart de ces astres sont au moins à 4 ou 5 milliards d'années-lumière de nous. Donc c'est une lumière qui est partie depuis très longtemps. La Terre commençait juste à s'ébaucher à ce moment-là. Eh bien, pour vous donner une idée, mais vous voyez que vous avez encore du sombre autour, vous avez encore du noir. Donc on ne remplit pas, on ne couvre pas, et on ne peut pas couvrir davantage. Et si je vais vous montrer l'image suivante, qui correspond, qui vous donnera une idée de ce que le télescope Hubble a regardé en regardant cette région du ciel. C'est une région du ciel minuscule. Donc vous allez voir, vous allez bien suivre l'image, la vidéo, voilà ce que ça donne. La Lune apparaît, mais c'est un montage. Voilà. Voilà. Oui, on ne voit plus. Hein. Mais Hubble, lui, il a très bien vu, bien sûr, le télescope. Il fait 2,40 m, il est au-dessus de l'atmosphère, et il vous restitue ceci. En gros, la région du ciel qui est concernée là, c'est ce que l'on voit à travers le chat d'une aiguille tenu à bout de bras. C'est une toute petite région du ciel. Et pourtant, là-dedans, vous voyez des milliers de galaxies. Mais ça ne suffit pas pour obtenir un ciel complètement noir. Alors voilà, donc je pense que là, la réponse à ce paradoxe est maintenant parfaitement connue. On lui ajoute d'ailleurs d'autres éléments, en particulier le fait que l'univers est en expansion, c'est une notion nouvelle que l'on connaît depuis maintenant un siècle à peu près, et ce qui fait que la lumière des astres est décalée par effet Doppler vers le rouge, et donc ça contribue effectivement à nous enlever pas mal de lumière dans la zone visible, mais on a montré que ce n'était pas l'effet le plus important. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a vraiment pas assez d'astres pour le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'énergie dans cette pièce, même si elle est invisible. Ce qui fait l'essentiel de l'univers visible, c'est l'univers que l'on étudie, c'est l'invisible. Et il y a, par exemple, un rayonnement invisible que l'on détecte avec des radiotélescopes. Là, c'est une cartographie de ce rayonnement radio. Ce rayonnement radio est connu pour être ce que l'on appelle la lumière fossile, parce qu'il a été émis, ce rayonnement, 200, 300 000 ans à peine après le Big Bang.
et il termine une phase du Big Bang et commence à ce moment-là une autre phase qui est l'époque où la gravitation va régner en maître et permettre à toutes les structures de se mettre en place, les structures, mais pas seulement nous, hein, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies. Et de ce qu'on peut lire dans cette image, qui est une image codée au niveau couleur, parce que ce sont des ondes radio, donc ça ne se voit pas, donc on code les intensités. Hein. Les parties les plus bleues sont les parties les plus froides, et sont les parties où, effectivement, la gravité va pouvoir ensuite s'exercer et rassembler d'une manière plus dense les structures qui vont ensuite croître durant l'expansion de l'univers. Voilà. Donc si je résume tout ce que je viens de dire, la lumière a une vitesse finie, les étoiles sont séparées les unes des autres, l'univers a un âge fini, tout cela fait qu'il y a trop peu d'étoiles pour recouvrir le ciel. Alors, c'est une des noirceurs les plus évidentes, hein, les plus flagrantes, celles que vous connaissez bien, mais il y en a d'autres. Et il y en a d'autres, et je vais donc là soulever une autre idée qui va m'amener à explorer d'autres domaines, c'est la notion d'intrication. J'ai déjà commencé à vous dire, vous savez que évidemment, le noir, ça appelle la lumière. Bon. C'est aussi une idée moderne. Non seulement on la trouve exprimée dans certaines peintures, dont celle de Pierre Soulages, je vous montrerai une de ses toiles, mais c'est aussi une notion qui commence très tôt, dans les années en 1905, lorsque la fameuse année, c'est l'année sublime, je ne sais plus comment on l'appelle cette année, enfin c'est l'année où Einstein développe toute une série d'articles qui ont été fondateurs hein, pour la cosmologie, pour la physique. Eh bien, il livre cette fameuse équation E égale mc2 qui dit ça, qui dit à partir de la matière, qu'elle soit sombre ou pas, eh bien on obtient de la lumière. E est énergie égale m, c'est le produit de la masse par la matière, donc il y a un lien très fort entre la masse et c au carré, c'est la vitesse de la lumière. Autrement dit, d'un bloc de matière obscure, on peut obtenir de la lumière, et de la lumière, on peut aussi faire naître de la matière. Or, il se trouve que il faut savoir ça, il faut l'avoir en tête. Et les astronomes ont été soumis à ce dilemme très tôt. Là, je vous donne une image de ce que pourrait voir un extraterrestre ne connaissant pas notre planète, arrivant à proximité de la Terre dans son vaisseau. Il a des instruments, il est sensible à la lumière visible, il voit ça. Bon, il voit des petits points jaunes, et puis il ferait une description de ce qu'il a vu. Vous accorderez avec moi qu'il aurait peut-être manqué pas mal de choses. Hein. Bon, sur cette image, l'essentiel n'est pas visible. Les continents, bien sûr, et les océans. Alors, bon, il faudrait qu'il revienne avec d'autres outils. Et nous avons été face à ce genre de problème. On a découvert une matière noire, une matière absolument invisible, absolument indétectée par nos télescopes. Et on l'a pesée. Alors vous allez me dire comment on peut peser quelque chose qu'on ne voit pas. Eh bien, vous voyez que la Terre, c'est nous, là, on est sur cette planète Terre, on tourne autour du Soleil. Donc vous voyez, bon, elle va très vite quand elle passe à côté du Soleil, plus lentement quand elle s'en va. Eh bien, ces lois de la dynamique, simplement par la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil, eh bien, on peut mesurer la masse de la Terre et du Soleil si on connaît la distance, etc. Bon, ça, ce sont les lois de Newton. Mais le Soleil n'a pas besoin de briller pour qu'on fasse cet exercice-là. D'accord. Bon, c'est pas parce qu'il brille qu'on s'est aperçu qu'on tourne autour de lui. Enfin, si. Mais en fait, si le Soleil était noir, eh bien, la Terre continuerait à tourner de la même façon, évidemment, et on serait capable, grâce aux mêmes lois de Newton, on aurait réussi, ça aurait été plus difficile, à soupçonner qu'on tourne autour de quelque chose, et on aurait calculé la masse et la distance. Voilà. Donc, l'invisible n'est pas du tout dissuasif. Et historiquement, c'est en 1937 qu'un astronome suisse, Zwicky, calcule la masse des amas de galaxies. Vous savez que nous sommes dans une voie lactée, donc une galaxie, c'est ça, c'est un ensemble d'une centaine de milliards d'étoiles tenues par les lois de la gravitation, avec la poussière, avec du gaz. Eh bien, ces galaxies, elles sont séparées les unes des autres, mais elles sont réunies en amas, et elles ont des mouvements. Eh bien, ces mouvements, c'est important. Ce qui fait que soit ça leur permet de s'éviter, ça permet d'éviter qu'il n'y ait plus qu'un seul objet au centre. C'est toujours les mêmes arguments. Eh bien, Zwicky étudie donc par la spectroscopie, c'est une technique indirecte, mais très très puissante.
Il étudie la vitesse de ces galaxies et s'aperçoit qu'elles vont extrêmement vite, donc comme si elles voulaient échapper à quelque chose. Vous voyez ici, par exemple, lorsque la Terre passe à côté du Soleil, eh bien, la Terre est obligée d'aller très vite pour ne pas tomber dessus. Donc, aller vite, c'est ce qui est requis pour ne pas tomber, pour ne pas chuter au centre. Et donc, il fait ces calculs-là. Et il fait des hypothèses, il se dit, il doit y avoir de la matière noire entre les galaxies. Voilà, obscuration. Bon, peut-être qu'il y a de l'obscuration, mais il pense que c'est surtout de la matière noire. Et puis, en 1932, un petit peu avant, Oort, qui était un autre astrophysicien très connu dans la communauté hollandaise, lui, qui était un radioastronome, il a le même raisonnement à propos des étoiles de la Voie lactée, à propos du voisinage solaire des étoiles qui gravitent autour du Soleil, et il parle aussi de matière noire. Donc c'était une idée, vous voyez, que ça met du temps. Ça met du temps. Donc là, je vous montre un amas de galaxies, photographié par Hubble, qui est là, et cet amas de galaxies contient de la matière noire. Les galaxies qui sont là, il y en a beaucoup, elles doivent être retenues, enfin, elles sont obligées de s'extirper de la matière noire. Cette galaxie qui est là, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à notre Voie lactée, j'espère que vous la voyez bien, malgré le... ça, oui. Cette galaxie, eh bien, elle aussi, elle tourne, et on s'aperçoit les lois de... que contrairement à ce qui est prévu, prédit par les lois de Kepler, qui ont été donc orchestrées par Newton pour faire cette loi de la gravitation, on s'attend normalement à ce que la vitesse finisse par décroître en s'éloignant. Lorsque vous vous éloignez de quelque chose qui gravite, qui vous attire, bon, ben, vous n'êtes pas obligé de tourner aussi vite. Donc on s'attendait à ce que les étoiles qui sont extérieures tournent beaucoup plus lentement que les étoiles qui sont très très près du noyau, du centre. Et ce n'est pas du tout ça qu'on observe. On observe le contraire. Ça a été fait pour la première fois par une femme astronome, Vera Rubin, qui a travaillé, qui est une Mexicaine, d'origine mexicaine, et qui a passé sa vie toujours maintenant en Californie. Et elle trouve qu'au fur et à mesure, elle trouve dans les années 78 qu'au contraire, les étoiles les plus éloignées du centre tournent encore toujours aussi vite. Parfois, elles vont un petit peu moins vite, mais on voit pas, on n'assiste pas à un déclin de cette vitesse comme on pouvait l'imaginer. Alors, ce petit diagramme un peu technique vous montre un peu le sujet. Lorsqu'on est au centre d'une galaxie, là c'est zéro, là c'est là. Ce qui est écrit en bas, c'est la distance au centre d'une galaxie, et ce qui est écrit en haut, c'est la vitesse. Bon, évidemment, au centre, ça ne tourne pas, il n'y a pas de raison que le centre tourne, donc c'est normal que tout tombe à zéro. Mais dès qu'on s'éloigne un peu du centre, eh bien donc, vous atteignez une certaine vitesse, et puis quand on s'éloigne, on s'attend à nouveau à une décroissance, pour la raison que je vous ai dit, vous n'avez plus de raison de tourner très vite. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui est trouvé, vous voyez, dans certaines galaxies, ça continue, c'est constant. La vitesse ne descend pas. Dans d'autres, elle descend faiblement. Vous voyez, là, c'est M31 vu différemment. Il y a une partie théorique, une partie observable. Bon. Et alors, on découvre peu de temps après que en 21 cm, l'arrêt 21 cm, c'est un rayonnement radio, une onde de 21 cm est observable avec des radiotélescopes. C'est un instrument très puissant parce que très très sensible. On découvre que les galaxies vont bien au-delà de la partie visible, il y a une partie radio, et quand on regarde à quelle vitesse se déplacent les atomes d'hydrogène, parce que ce rayonnement radio provient de l'atome d'hydrogène, eh bien on s'aperçoit que les atomes d'hydrogène, quelle que soit leur distance au centre des galaxies, eh bien tournent toujours aussi vite. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Vous voyez, cette image à droite est absolument extraordinaire. L'image au centre, vous voyez là ce que je vous montre ? J'ai une petite flèche, je sais pas de... Oui ? Bon, d'accord. Donc cette petite flèche vous montre ce que l'on voit sur une plaque photographique. Eh bien, la partie orangée, ce sont des atomes d'hydrogène qui n'émettent pas de lumière, mais ils sont visibles en technique radio. Ce sont des ondes radio qui sont émises là, et ce qu'on a coloré, pour que vous puissiez le voir, en orange. Vous voyez que la galaxie radio, entre guillemets, s'étend bien au-delà de la galaxie optique. Et quand on regarde la vitesse donc, des composantes de cette galaxie, qui s'appelle M33, même chose pour M101, où la partie radio en jaune est bien plus grande que la partie optique, eh bien on s'aperçoit que la vitesse, vous voyez que c'est en bas en rouge, là, les vitesses ne décroissent pas comme on s'y attend avec la courbe en pointillé A qui est en dessous. Ça, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a trouvé. Et si je rassemble
on appelle ça des courbes de rotation. Si on fait le bilan entre la partie optique et la partie radio, on obtient systématiquement des courbes de rotation plates. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est une autre évidence qu'il y a une matière que l'on ne voit pas, puisque si on calcule la masse de ces galaxies simplement en comptabilisant la partie lumineuse, on trouve bien moins, une masse bien inférieure à ce que l'on voit par ces techniques-là. Donc il y a une masse cachée. Alors après, on a parlé de masse cachée, on a parlé de masse noire, on a parlé de beaucoup de notions comme cela. Alors ensuite, on en a tenu compte. On est obligé. Quand on a fait des... Vous savez, les observateurs donnent des informations, les théoriciens essayent ensuite de comprendre comment les systèmes aussi importants que des systèmes gravitants comme les galaxies arrivent à être stables. Il y a une chose, par exemple, qui étonne beaucoup dans une galaxie spirale, comme la Voie lactée, c'est que le disque dans lequel on trouve les étoiles et on trouve les ondes de gravité, c'est un disque assez plat, assez fin. Or, ça tourne très vite. Bon, il y a un bulbe tout autour, il y a encore des étoiles ailleurs, mais qu'est-ce qui stabilise ce disque? Est-ce qu'il va partir en vrille? Est-ce qu'il va s'en aller dans tous les sens? Eh bien, les théoriciens, c'est là qu'ils viennent nous aider, eh bien, ont montré qu'il fallait pas mal de matière, justement, pour arriver à stabiliser ces disques-là sur des durées de temps assez, assez importantes. Et donc, cette matière noire est utile pour stabiliser les disques de galaxies. Alors après, on a cherché. On s'est dit, mais cette matière, elle a une propriété, c'est qu'elle est sensible à la gravitation. Hein? Sinon, les galaxies ne se mettraient pas à tourner à toute allure, les étoiles ne tourneraient pas très vite. Elles sont sensibles à la gravitation, c'est ce qui explique les vitesses. Donc, de quelle matière noire s'agit-il? Est-ce que c'est de la matière noire, comme vous et moi? Enfin, je veux dire, est-ce que ça comporte ce qu'on appelle les baryons, des protons, des neutrons, enfin, toute la gamme de particules sensibles à la gravitation. Vous savez, quand vous pesez sur une balance, vous pesez vos baryons. Hein, voilà, parce que on devrait appeler ça une machine à peser des baryons, parce que les électrons sont 2000 fois plus légers que les neutrons et les protons, donc on pèse ces neutrons et ces protons. Alors, on appelle ça matière baryonique. Alors, est-ce que la matière noire est une matière baryonique? Bon, et sous quelle forme? Si oui, sous quelle forme? On pourrait imaginer des planètes non détectées, des astéroïdes partout, des choses comme ça. Alors, il y a eu des recherches qui ont été faites. Hein, on peut imaginer, alors on a fait des recherches très intéressantes qu'on a appelées micro-lentilles. C'est-à-dire qu'on s'est dit, s'il y a des astres comme cela, des astres obscurs, entre des astres lointains et nous, eh bien, il va y avoir des effets d'amplification dits de lentilles gravitationnelles. On devrait pouvoir observer de temps en temps un flash lumineux qui est dû justement au passage de la lumière à côté, autour de ces objets compacts dont on ne savait pas trop comment les nommer, mais si c'est baryonique, ça devrait être ça. Il y a eu d'énormes, il y a eu au moins deux expériences, expérience Eros, expérience Macho. Eros c'était aux États-Unis et Macho c'était en France, ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, ces millions d'étoiles ont été observées pendant une dizaine d'années et on n'a rien trouvé. Donc ce n'est pas ça. S'il y a de la matière noire, ce ne sont pas des lentilles, ce ne sont pas des planètes, c'est autre chose. Et pour l'instant, il n'y a pas de détection. Et pour l'instant, on ne sait pas. On a évidemment envisagé d'autres hypothèses, d'autres types de particules, toutes ayant la propriété d'être sensibles à la gravitation, mais on n'a pas de réponse. Et c'est extrêmement important qu'on en ait une. Pourquoi? Parce que quand on revient sur cette image-là, qui est l'image de ce qu'était l'univers 300 000 ans après le Big Bang. On voit que la matière n'est pas uniformément répartie, heureusement, sinon nous ne serions pas là pour en parler. Il y a des endroits où il y a plus de matière que d'autres. Et tout ça, ça doit s'amplifier au fur et à mesure, pour donner naissance aux étoiles. Bon. Mais l'amplification, elle n'est pas facile à obtenir, parce que l'univers, n'oubliez pas, est en expansion. Donc quand la gravitation rassemble, l'expansion fait l'inverse. Et c'était très compliqué pour les théoriciens de comprendre comment on arrivait à former un univers tel qu'on le voit aujourd'hui, très hiérarchisé, avec des vides immenses et des endroits très très compacts, en si peu de temps. Parce que 14 milliards d'années, c'est pas très long s'il faut lutter contre l'expansion. Et c'est là que la matière noire vient à notre rescousse, parce que la matière noire, au contraire, peut rassembler et peut évidemment compenser cet effet de gravitation, pourvu qu'on sache ce qu'est cette matière noire. Vous avez des matières noires, vous voyez, pour arriver à ce résultat. Alors, vous avez plusieurs types de matières noires.
On peut l'imaginer chaude, c'est-à-dire légère, et donc qui se déplace dans l'espace à des vitesses relativistes, proches de la lumière. Ou on peut l'imaginer froide, ce qu'on appelle les weakly interactive massive particles, c'est-à-dire des particules, si elle est froide, c'est-à-dire qu'elle est massive, elle ne se déplace pas vite, hein, mais elle agit, elle interagit, et donc elle permet de maintenir en place et de permettre à des structures de se former. Dans le cas de la matière chaude se déplace sur de grandes distances, donc vous vous attendez à faire des choses extrêmement diluées, nettoyées, hein, des grandes structures sur des milliards, des millions d'années-lumière, alors que nous observons autour de nous des structures plus petites, hein, je ne parle pas des étoiles, mais aussi des galaxies, des bras, des amas de galaxies. On observe un univers qui est plutôt comme celui-là, pas trop non plus, parce qu'on n'a pas des structures trop petites. Donc aujourd'hui, on se dit, il faut qu'on ait, et ça serait bien que la matière noire soit ni trop froide, ni trop chaude. Voilà. Je dis en passant qu'il y a une autre théorie, hein, qui s'oppose à la matière noire, qui est la théorie qui modifie la loi de la gravitation, mais je n'aurai pas le temps d'en parler ici. Alors voilà, donc cette matière noire nous excite beaucoup. Si on fait le bilan de ce qu'est l'univers aujourd'hui, si je prends un morceau d'univers, ça c'est le camembert qu'on vous montre assez souvent. Prenons un camembert qui représente 100% de l'univers. Sur ces 100% de l'univers, vous voyez, la matière noire, c'est 25% seulement. C'est 25%, c'est beaucoup, parce que les étoiles, les baryons, c'est-à-dire vous et moi, et les étoiles aussi sont faites de neutrons et de protons, ce n'est que 5%. Et il y a une autre énergie, il y a autre chose, il y a cette énergie noire, 70%, dont je n'ai presque pas vous parler, mais qui est une des découvertes majeures des 10-15 dernières années, c'est que l'univers aujourd'hui, non seulement est en expansion, mais alors qu'on s'attendait que l'univers, que l'expansion ralentisse, on s'aperçoit que l'expansion accélère. Alors c'est très étonnant, parce que l'univers est quand même plein de matière, noire ou pas, donc on s'attend à ce que l'expansion ralentisse, un peu comme une balle que vous lancez au bout d'un élastique, au bout d'un moment quand même, même si vous avez tapé fort, vous pouvez casser la balle, bien sûr, ça s'en va, mais vous pouvez aussi ne pas casser la balle, puisqu'on est dans un régime un peu comme ça, donc on s'attend qu'à un moment donné, ça revienne. Eh bien, pas du tout. On observe au contraire que l'univers s'envole. Il s'envole, il accélère plutôt que de ralentir. Donc l'hypothèse, c'est qu'il y a une forme d'énergie nouvelle que l'on ne connaît pas, qui ne ressemble à aucune forme d'énergie connue, j'insiste bien, ni électromagnétique, ni nucléaire, ni électrofaible, ni gravitationnelle, et qui emballe l'univers. Alors là, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de travaux qui tournent autour de cette énergie noire, dont on ne sait même pas comment traiter le problème. Mais si je fais si je m'intéresse qu'à la partie, j'agrandis, je fais un autre camembert pour montrer ce qu'il y a là-dedans. Là-dedans, il y a ces 60, donc de ce camembert-là, j'en fais un autre. Hein. La partie bleue qui est là, il y a 6% correspondent aux étoiles. Il y a du gaz chaud, très chaud, qu'on trouve entre les étoiles et les galaxies, qu'on a détecté par des rayons X. Vous avez beaucoup de matière invisible qu'on détecte par l'empreinte que l'atome d'hydrogène laisse dans le spectre des étoiles, ce qu'on appelle la partie Lyman alpha. Ce sont des galaxies qui ne sont pas encore formées, qui sont larves, qui sont naines, etc. Et vous avez aussi un gaz qui est alors là, beaucoup moins dense que l'autre gaz rouge que j'ai indiqué là, qu'on appelle Warm Hot Intergalactic Medium. C'est un milieu pervasif qui se retrouve un peu partout, qui correspond à 5%. Et les 65%, c'est cette fameuse énergie matière noire, donc qui ne correspond plus qu'à 25% quand on considère l'énergie noire ensemble. Voilà, on en est. Mais c'est très important parce que ce noir, vous voyez, cette matière noire, pour noire qu'elle est, elle va quand même, elle détient le secret de la lumière, parce que c'est grâce à cette lumière noire, à cette matière noire, que la lumière est possible, que les étoiles ont été créées, puisqu'ils ont pu se rassembler malgré l'expansion. Donc là, c'est un premier exemple d'intrication, pas tiré par les cheveux du tout, hein, entre le noir et entre l'obscur et la matière. Et dans les modèles de formation de galaxies aujourd'hui,
on tient compte de cette matière noire, même si c'est un peu frustrant parce qu'on ne sait pas lui donner un nom, mais on lui donne des propriétés qui sont plausibles avec ce que nous disent les modèles et avec la répartition qu'on croit connaître de cette matière noire dans l'univers. Et c'est ce qui permet de former, de voir naître les galaxies, de voir toute une série de modèles. Vous trouverez ça d'ailleurs très bien sur Internet, hein, des simulations où on met de la matière noire, on met des particules ordinaires et puis on fait tourner tout cela. C'est d'ailleurs des calculs qui sont très coûteux, très longs et très compliqués, et qui donne pour reproduire l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui. Là, c'est une expérience à Kamiokande au Japon, où on essaye de détecter les neutrinos. Vous savez, ces neutrinos sont des particules qui sont sensibles en principe à la gravitation, mais qui ne sont pas des particules chargées, qui interagissent pratiquement avec rien. Le pratiquement fait que là, vous avez des centaines de milliards de neutrinos qui vous traversent le corps sans que nous soyons incommodés, donc ça montre que ce n'est pas très gênant. Mais on essaye de faire des piscines où, lorsqu'ils interagissent de temps en temps, eh bien, il y a un rayonnement Cherenkov qui est émis, et vous avez des détecteurs qui essayent de détecter ça. Au niveau perspective, je ne sais pas trop quoi vous dire, sauf qu'on s'attend à ce que d'autres techniques, des WIMPs, on appelle ça les Weakly Interactive Particles, on connaît à peu près, on peut estimer ce qu'on appelle leur section efficace, avec quelle efficacité ils interagissent avec le reste, mais que ce n'est pas très efficace. Ça, c'est l'efficacité de l'interaction avec la matière ordinaire. Et là, c'est la sensibilité en rouge avec lesquelles nos instruments actuels sont capables de détecter ces particules. Si elles existent, on pense que oui. Eh bien, on voit que pour atteindre des sensibilités à peu près normales, où oui, on pense que leur sensibilité, c'est plutôt de l'ordre de 10 puissance 20, j'ai du mal à lire, 10 puissance moins 49, dans une unité qui est une unité de ces gens, de ceux qui font ces expériences, eh bien, c'est plutôt en 2026 qu'on aura des performances suffisantes pour écarter ou ne pas écarter l'hypothèse de ces particules-là. En tout cas, on gagne à peu près un facteur 10 tous les deux ans, mais c'est quand même extrêmement difficile. Voilà en ce qui concerne ce que je voulais vous dire assez brièvement, parce qu'on peut faire des conférences entières rien que sur la matière noire. Mes collègues le font aussi très bien. Vous en trouverez d'ailleurs sur le site de l'Institut d'astrophysique de Paris, puisqu'il y a nos conférences qui peuvent être visionnées. Et je vais aller un peu plus loin, ou aller explorer d'autres trous qui sont peut-être pas si noirs que ça, alors qu'ils devraient l'être. Ce sont ces fameux trous noirs, les fameux trous noirs que vous connaissez pour en avoir entendu parler un peu partout, et qui ne sont pas si noirs que ça, sinon on les aurait pas vus du tout. Mais là, effectivement, ces trous noirs sont pas noirs du tout. Alors, je vais vous... Plutôt que vous expliquer qu'un trou noir n'est pas un trou, c'est le contraire d'un trou, c'est un trou plein, etc., etc., je vous propose de regarder cette petite vidéo qui explique à peu près tout. Je ne montrerai plus que des images. Qui explique à peu près tout en 3 minutes. Il a été fait par le laboratoire en collaboration avec des artistes. Il a été fait pour l'année mondiale de l'astronomie en 2009. Il a été supervisé par des scientifiques de l'observatoire de Meudon. L'humain est ainsi fait qu'il se pose en permanence tout un tas de questions comme « D'où viens-je »« Que sais-je » ou même « Qu'est-ce qu'un trou noir ?» Un trou avec du noir dedans? La porte de l'univers? Un monstre cosmique? Eh bien, tentons de répondre à cette essentielle interrogation, qu'est-ce qu'un trou noir? En l'état de nos connaissances, on pourrait dire qu'un trou noir est un bidule très atypique. Il n'a pas de surface et sa gravitation est un véritable piège. Une fois tombé dedans, rien ne peut plus en sortir. Aucune matière, aucune lumière, pas le moindre petit photon. En réalité, pour que la gravitation y soit si puissante, il faut que la matière capturée à l'intérieur soit vraiment très compacte. Figurez-vous, un trou noir lourd comme la Terre, il aurait la taille d'une noisette. Alors me direz-vous, comment détecter ce trou qui ne laisse sortir aucun rayon lumineux? En fait, ce que l'on observe, c'est ce qui se passe autour de lui. Par exemple, au centre de notre galaxie, on voit des étoiles gravitant autour de quelque chose qu'on ne voit pas. C'est Sagittarius A étoile, le trou noir de notre galaxie.
Dans d'autres galaxies plus lointaines, on observe aussi d'immenses jets de matière émis à proximité de quelque chose qu'on ne voit pas bien non plus. On appelle ça des preuves indirectes, et il y en a de plus en plus. Dans la famille trous noirs, il y a les tout petits, qui seraient peut-être apparus à la naissance de l'univers. Ensuite, nous avons les trous noirs stellaires, seulement quelques masses solaires. Et enfin, les supermassifs, comme celui situé au centre de la Voie lactée, qui ferait environ 3 millions de masses solaires. Ah, une parenthèse pour ceux qui veulent en savoir plus, comment naît un trou noir ? Eh bien, quand une étoile très massive a brûlé toutes ses réserves d'énergie, elle s'effondre, elle s'écrase sur elle-même, et sa masse se concentre alors en un point microscopique. Et autour, un trou noir est né. Voilà. Refermons cette parenthèse et faisons maintenant un gros effort d'imagination. C'est ça, imaginons que nous nous approchons du trou noir. Avant même d'être tout près, nous voilà entraînés dans sa rotation. Comme si de rien n'était, nous franchissons son horizon, la zone qui délimite la région d'où ni lumière ni matière ne peuvent s'échapper. Là, première surprise, la matière très dense du trou noir a courbé l'espace-temps sur lui-même, si bien que nous ne pouvons plus nous déplacer en ligne droite. Et puis, le pompon, l'espace est devenu du temps. Comme lui, il s'écoule. Vous vous souvenez que nous autres humains ne savons pas remonter le temps. Eh bien là, dans notre trou noir, c'est l'espace qui est devenu impossible à remonter. Il est irréversible. C'est ainsi qu'en franchissant cette frontière, notre voyage est sans retour. Écoutez bien, sans retour. Et pour couronner le tout, une fois prisonniers à l'intérieur, il est vraisemblable que nous soyons transformés en spaghettis ou aplatis comme des crêpes, brinque-ballés dans le chaos des forces qui nous étirent et nous compriment. Seule chance de nous sortir de ce mauvais pas, que notre trou noir s'ouvre sur un autre univers, mais là, c'est de la science-fiction. Alors, pour revenir vers la science, et surtout sur la Terre, un dernier scoop. Des scientifiques espèrent parvenir prochainement à créer en laboratoire des trous noirs, minuscules, qui disparaissent tout de suite, mais qui sont très passionnants à étudier. Vous rendez-vous compte ? Créer un trou noir sur Terre. Pour conclure, disons qu'en l'état de nos connaissances, l'humain se demande toujours « d'où viens-je ? Que sais-je ? Ou qu'est-ce qu'un trou noir ?» C'est ainsi qu'il scrute le ciel, étudie les particules et élabore des théories pour comprendre ce qui se passe dans notre univers. Et c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça qui est bien. Alors, c'est vrai qu'ils sont noirs, mais ils sont parmi les objets les plus lumineux, finalement, parce qu'ils trahissent leur présence à cause de cette matière qui s'accumule et qui tombe à leur proximité. Une partie de cette matière, évidemment, disparaît dans le trou noir, une autre se met en rotation et porte à des températures extrêmes. Une partie de cette énergie aussi peut être évacuée sous forme de jet lumineux, dont on parle dans la vidéo. Et voici un exemple ici, une galaxie assez proche, qui s'appelle M87. On voit ce jet qui a été pris, observé, par le télescope Hubble. Vous imaginez que ces points lumineux là, peuvent être aussi brillants que si vous rassembliez toute la lumière de Paris dans une tête d'épingle. Hein. Donc c'est vraiment très extrêmement concentré. Et lorsqu'on les a découverts dans l'année, on ne les appelait pas trous noirs, on les appelait quasars. C'était des pratiquement ponctuels, c'était extrêmement lumineux. Et quand on a mesuré leur distance, on s'est aperçu que ce n'étaient pas des étoiles ordinaires, mais des objets situés, les plus lointains connus à l'époque. Eh bien, évidemment, il y a eu des débats pour savoir de quoi il s'agissait. On a même questionné la notion de décalage vers le jeu rouge. Enfin, ça a été une période importante de l'histoire des sciences entre 1965 et, disons que ça s'est apaisé en 1980, à partir du moment où on a admis
d'une manière définitive que ces trous noirs existent bien. Et en tout cas, on a admis aussi l'expansion, enfin beaucoup de choses qui sont tombées dans l'escarcelle de la cosmologie standard. Là, c'est un autre exemple où vous avez une galaxie qui est sur la tranche, on dirait un cigare cubain, hein, et vous avez de chaque côté eh bien, des jets lumineux. Ce n'est pas toujours le noyau. Le noyau, parfois, il est très lumineux, mais il y a aussi ces jets qui s'étendent à des distances colossales, qui s'aillerait pratiquement entre ici et un mètre ou deux mètres au-dessus de chaque côté. Hein, là, j'en ai coupé un bout. Donc, c'est vraiment fabuleux. Alors, il y a évidemment, la science-fiction s'est emparée de tout cela. C'est un laboratoire qui permet d'étudier donc, les situations extrêmes de la gravitation et l'évolution de certaines étoiles, puisque les étoiles les plus massives ne se terminent pas en supernova. Enfin, ça se termine en supernova, mais qu'est-ce qu'il y a après la supernova, ben, soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et c'est peut-être d'ailleurs les meilleurs cas de trou noir connu, c'est lorsque une des deux étoiles d'un couple binaire, souvent les étoiles sont binaires, tournent l'une autour de l'autre, quand l'une des deux est très massive et termine son évolution sous forme d'un trou noir, eh bien, l'autre continue à tourner, mais il y a des phénomènes d'échange de matière qui donnent lieu à des phénomènes périodiques et de l'émission de rayons X. Et donc tout cela mis ensemble a permis d'estimer la masse et de conclure un trou noir. Le film Interstellar a été, vous avez peut-être vu ce film, eh bien, c'est un film qui a été fait grâce à l'aide d'un spécialiste des trous noirs que j'ai eu la chance de connaître il y a déjà une vingtaine d'années, qui est un des spécialistes du domaine et qui donc a bien conseillé l'équipe. Donc, tout ce que vous voyez là, les distorsions de tout ce qui pourrait passer à côté d'un trou noir sont tout à fait correctes au niveau de la représentation visuelle. Et puisqu'on a parlé de la Voie lactée, je pense qu'effectivement, là, c'est un autre exemple, un contrepoint. C'est un trou noir qui, lui, n'est pas entouré de lumière. Certains trous noirs sont repus, ils ont tout avalé, la lumière a disparu, il n'y a plus rien pour les alimenter. Mais les étoiles qui passent à côté continuent quand même à tourner. Elles ont intérêt, d'ailleurs, à aller vite. Et ça, c'est une expérience qui a été faite à l'ESO. L'ESO, c'est l'Observatoire européen de l'hémisphère sud. C'est une expérience qui doit s'affranchir de la turbulence atmosphérique, qui a été faite sur plusieurs années. Vous avez en haut à gauche 1992, vous verrez le compteur, ça se fait en plusieurs années à des périodes différentes, et on met tout ça bout à bout, et ça donne un montage vidéo qui vous montre ce qu'il en est. Le trou noir, on ne le voit pas, donc on l'a visualisé, c'est la croix rouge qui est au milieu, et voilà ce que ça donne. On visualise les trajectoires, et vous voyez que ces braves étoiles, quand elles passent à côté, eh bien, elles sont obligées de... Elles ont une accélération, parce que sinon... voilà. C'est une merveilleuse observation. Je vous assure ça, c'est quelque chose qui a été salué par toute la communauté. C'est vraiment extrêmement technique, très difficile à obtenir. Ça a été fait avec un télescope de 8,20 m de diamètre. Le miroir fait 8,20 m de diamètre. Et c'est vraiment très beau. Et vous voyez que... pourquoi on visualise les trajectoires? Parce que là, merci Newton... À cause des vitesses que l'on mesure, on connaît la distance, on a les vitesses angulaires, et on reconstitue l'orbite, et donc on applique les lois de Newton, on a la masse. Et vous avez la masse de l'objet qui est au milieu, et c'est le trou noir, puisqu'il n'y a pas de lumière qui vient. Et ça vous donne quelques millions de fois la masse du Soleil. Voilà. Alors ça a beaucoup inspiré, évidemment, l'imaginaire, les acteurs, voilà, vous avez envoyé un peu partout, même des groupes de rock, des noms de films, des chants, des chansons, je ne me souviens plus tout à fait à quoi ça correspond, sauf celui-là peut-être. On peut acheter aux États-Unis ce petit produit qui s'appelle Black Hole et qui vous permet de faire briller votre voiture lorsqu'elle est un petit peu usagée. Voilà, c'est le trou noir du pauvre. J'aime bien ça. Alors il y a encore d'autres trous noirs. Il y a celui-là, par exemple, c'est un globule de Bok, l'astronome hollandais qui a observé cela. Et ce sont des régions obscures de la Voie lactée. Et là, c'est une obscurité active qui va donner naissance à la lumière, puisque c'est dans ces pouponnières d'étoiles que les étoiles, peu à peu, vont se former. Pour former de l'étoile, il faut de la poussière, souvent de la poussière carbonée. Donc, le carbone joue un rôle, non seulement pour former les étoiles avec le silice aussi, mais pour être à l'origine de la vie, comme vous le savez. Mais vous voyez, cette image est très trompeuse, parce que dans un amas comme celui-là,
On croit qu'il y a beaucoup de poussière. Oui, il y en a beaucoup, puisqu'elle absorbe tout. Mais vous seriez dedans, eh bien, vous rencontreriez un grain de poussière tous les 100 mètres ou tous les kilomètres. Bon, ça vous dit aussi la taille que ça doit avoir pour obtenir un obscurcissement de ce genre. Ceci dit, on peut regarder en infrarouge. L'infrarouge passe à travers, et là, on voit les étoiles. Hein, voilà. Alors, d'où venons-nous ? Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on contemple le ciel. Si on est fasciné par l'obscur, si on recherche des lueurs aussi loin, en cherchant les galaxies lointaines, dans l'espace et dans le temps, c'est une façon d'être à la recherche de nos origines. Et moi, je suis, pas seulement pour conjurer nos peurs, nos craintes, il y a un respect là-dedans, mais il y a cette recherche de l'origine. C'est un des fondements de l'astronomie. Et j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, un livre de Primo Levi, qui s'intitule « Classification périodique », où il passe en revue différents atomes, différents éléments de la classification périodique, et il en parle merveilleusement, pas de manière... C'est un chimiste, hein, Primo Levi, on se croira au concert. Et au chapitre, dernier chapitre, c'est le carbone. Et voilà ce qu'il dit sur le carbone. Il dit que c'est un élément singulier. Le seul qui soit capable de s'unir avec lui-même en longue chaîne stable, sans dépense d'énergie. Et à la vie sur Terre, il faut justement de longues chaînes. Donc le carbone, c'est intéressant. Et j'ai choisi de vous le montrer parce que pour illustrer l'intrication. Là, vous avez le charbon, le type de charbon qu'on trouve sur la surface de la Lune. Vous savez que la Lune est beaucoup plus sombre que nous, hein, que la Terre. La Terre réfléchit à peu près 30% de la lumière qui lui vient du Soleil, la Lune 10%. Ça s'appelle l'albédo. Donc, la Lune, c'est vraiment une boule noire. Et pourtant, elle est brillante parce qu'elle reçoit beaucoup de lumière. Donc elle a à peu près cette allure-là. Vous êtes sur la Lune, vous avez ça sous vos pieds. C'est du carbone. Carbone, c'est celui que vous mettez dans vos poils pour vous chauffer. Mais ça aussi, c'est du carbone. Hein, voilà. Donc vous voyez comme quoi, finalement, il y a une sorte de... On peut retrouver avec le même élément la lumière comme on peut trouver l'obscurité. Et la manière dont c'est agencé, simplement, concentre et oriente la lumière. Alors, pour terminer, je voudrais évoquer Soulages, parce que la création de ce peintre est particulièrement intéressante, impressionnante. Voilà une de ses toiles, qui est entièrement peinte en noir, il n'y a rien d'autre. Et on voit que selon la position que l'on a par rapport à cette toile, eh bien, on peut être pratiquement ébloui par une partie de la toile, d'autres endroits, etc. Et ça dépend, c'est nous qui créons l'effet en question. Et c'est impressionnant, j'ai remarqué que d'autres physiciens étaient aussi impressionnés que moi. On est stupéfait donc, devant ces grands tableaux noirs striés, hein, dont l'apparence change à tout instant, à condition qu'on tourne autour. Et pourquoi ? Parce que ça évoque l'idée que la réalité est aussi construite par l'observateur. Et ça, c'est une idée scientifique. C'est une idée qui n'est pas nouvelle, qui est née du développement de la physique de l'infiniment petit au XXe siècle. Hein. Et ça a été une des grandes aventures de l'humanité lorsque Bohr, parce qu'Einstein est un petit peu... Enfin, Bohr a découvert le lien entre la lumière et la matière, mais Bohr, lui, a été un des premiers à établir les bases de la mécanique quantique. On sait maintenant que la lumière obéit à un principe de complémentarité, hein, et à la fois se révèle comme onde ou comme particule, mais on ne peut pas observer ces phénomènes simultanément, de même que vous ne pouvez pas observer le noir et la lumière simultanément. Donc l'un ou l'autre sont les facettes d'une réalité, et du coup ça nous invite à nous poser la question toujours hein, de qu'est-ce que la réalité. Voilà, je terminerai en disant qu'effectivement, on ne connaît pas le statut de la réalité. Tout ce que nous connaissons, c'est comment elle réagit quand nous entrons en conversation avec elle. Les lois de l'univers sont les lois qui nous disent comment la réalité nous répond quand nous la questionnons. De la même façon, on ne peut pas être plus près de l'œuvre de Soulages qui nous dit aussi hein, comment, à sa façon, l'interaction qu'il y a entre lumière et matière, entre œuvre et le spectateur. Et je pense que pour moi, la meilleure image que je pourrais donner, c'est celle qui différencie le cinéma du théâtre. La réalité, c'est peut-être un film dans une pièce où il n'y aurait pas de spectateur. La réalité est là, mais personne n'est là pour la regarder. Le film, il est absolument toujours identique à lui-même, hein, sauf si la bobine saute.
Alors que pour le théâtre, c'est pas du tout pareil. Vous avez des acteurs, et les acteurs ne jouent pas la pièce de la même façon. Ça dépend des soirs, ça dépend de la manière dont les spectateurs réagissent à la pièce qui leur est proposée. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là.